Bonjour mes délicieux papillons. Alors cette petite vidéo pour notre défi de 365 jours, toujours sur ce bel arbre avec des petits oiseaux qui sont autour de moi et qui viennent me dire bonjour. Alors je voulais te dire la question que je me posais, que j'avais envie de te partager. Et tu te demandes peut-être pourquoi je fais tout ça, pourquoi est-ce que j'ai la bougeotte, pourquoi je voyage autant, pourquoi je suis toujours partie par mont et par vaux, et ce besoin de bouger. Alors ce besoin de bouger, je ne sais pas trop d'où il vient, mais je sais que c'est ce qui me fait vivre en fait. C'est ce qui me fait me sentir vivante. Et le fait de découvrir d'autres personnes, d'autres pays, d'autres paysages, être interpellée par des endroits qui énergétiquement me font vibrer, et des endroits magnifiques partout où je vais, je trouve toujours des endroits magnifiques. Il n'y a pas un seul pays où je suis allée où je pourrais dire ah non là j'y retournerai jamais. J'aime partout, tous les endroits où je vais et tous les endroits où je me rends actuellement. En tout cas maintenant c'est clair que j'ai toujours des coups de cœur et j'y vais parce que j'ai un coup de cœur, parce que j'ai vu quelque chose, parce qu'on m'a dit quelque chose, parce que voilà, quelque chose me fait « Ah oui, je vais y aller là !» Et donc j'y vais et ce qui me fait, ben voilà, c'est ce que je kiffe quoi, aller visiter d'autres endroits. Ici, c'est la deuxième fois que je reviens à Majorque et mon ami revient depuis plusieurs années, 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus. Et elle me disait, oui, l'année prochaine. Oh, je dis, attends, je ne suis pas sûre de revenir l'année prochaine. Ok, Majorque, oui, je dois y revenir. Bon, là, j'ai confirmation aujourd'hui, vraiment, oui, je dois y revenir, mais à ma manière. C'est-à-dire que ma manière, c'est prendre une voiture, rouler et aller là où ça me parle. Découvrir des choses ou, voilà, des endroits. Parce que j'ai pris un chemin, que je suis allée par là et que voilà, j'ai découvert un merveilleux paysage ou un port super magnifique ou peu importe. Mais ça, c'est ma manière de fonctionner. Aller à l'aventure, entre guillemets. Voyager au gré de mes envies et de là où ça me porte, où mon intuition me porte et me guide. Et découvrir des choses magnifiques, au moins belles, mais souvent magnifiques. Et donc, ça c'est ma manière de voyager, ça c'est ma manière de faire. Et donc ici, oui, je reviendrai à Majorque pour faire le tour de Majorque et visiter à ma manière. Et donc, voilà, chaque endroit où je vais, et un coup de cœur et un pays magnifique à découvrir. Mais il y a tellement de pays à découvrir que je suis loin d'avoir terminé. Et donc, ben oui, voilà, c'est ce que je kiffe faire, c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui me porte et me met en vie. Et donc, c'est pour ça que je voyage tout le temps et que j'ai vraiment, vraiment envie que mon business se mette en place et que je puisse me paye pour voyager et ou en tout cas que je puisse être une nomade, avoir un business nomade, pouvoir le faire de là où je suis ou que ce soit. Donc voilà la petite explication du pourquoi. Et toi, qu'est-ce qui te fait vibrer? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Et laisse-moi des commentaires, dis-moi, ça m'intéresse de savoir ce que toi aussi tu fais.
et ce qui te fait kiffer et pourquoi tu fais les choses. Et on se retrouve très vite, je t'embrasse.